Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Verisense. Aujourd'hui, notre sujet est comment configurer l'interface web. Les capteurs de vision sont souvent considérés comme des boîtes noires, car pendant qu'ils fonctionnent, nous ne pouvons pas voir ce qu'ils font. Avec Verisense, vous pouvez utiliser l'interface web pour contrôler le fonctionnement du capteur. C'est une interface graphique qui utilise un navigateur Internet comme Internet Explorer ou Firefox. En utilisant cette interface web, vous serez capable de voir ce que votre capteur de vision fait. Vous serez aussi capable de vérifier des paramètres, de changer de programme ou de modifier des outils après leur création. Comme vous le voyez déjà, l'interface web configurable a plusieurs avantages. La configuration est très simple et les réglages prennent seulement 5 minutes. Vous pouvez sélectionner exactement la fonction que vous voulez contrôler et choisir sa position dans le menu. Et vous pouvez aussi customiser l'interface web pour qu'elle corresponde aux couleurs de votre société, par exemple en modifiant les couleurs des boutons ou en ajoutant votre propre logo. De plus, vous n'avez pas à investir dans votre propre interface graphique et il n'y a pas besoin d'installer un troisième logiciel sur votre machine. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer votre interface web. Il y a deux sections pour les réglages. L'une concerne l'aspect général de l'interface web et l'autre est spécifique au programme. Tout d'abord, nous allons dans les réglages de l'appareil. Ici, vous pouvez voir le menu Personnalisation de l'interface web. Commençons par l'onglet Fonctions. Vous pouvez voir les trois boutons et nous pouvons les définir avec différentes fonctions. Par exemple, nous pouvons remplacer la sélection de la langue d'utilisation par le Verisense ou les images en défaut par les statistiques. Vous pouvez aussi modifier la langue que vous souhaitez voir sur l'interface web. Pour nous, ce sera le français. Sur le deuxième onglet, vous pouvez modifier le design de l'interface. Par exemple, nous pouvons cliquer sur ce bouton et le faire passer en jaune, plus foncé. Nous cliquons sur OK pour valider la sélection. Ici, vous pouvez voir que j'ai déjà créé le programme. J'ai créé trois outils. En premier, nous avons le repositionnement sur les contours, qui permet de retrouver la pièce dans l'image. Nous avons la luminosité, qui sert à contrôler ce point. Et enfin, le calcul de l'angle. Je fixe la limite de l'angle accepté de manière à ce que la valeur soit en défaut. Je vous montrerai plus tard pourquoi. Pour configurer l'interface, nous allons maintenant sur l'étape 3, configurer les interfaces, sur l'onglet Interface Web. Ici, nous pouvons voir une matrice de 3 champs par 3 et nous pouvons configurer différents outils. Ici, vous pouvez voir le repositionnement sur les contours. Ici, nous pouvons mettre la luminosité et l'angle au milieu. Voici donc à quoi va ressembler le menu de notre interface web. Ici, vous pouvez voir Pro et Utilisateur. Si vous définissez les droits d'accès, vous pourrez alors définir deux types de profils pour l'interface web. Dans notre cas, nous avons seulement le profil Pro. Et nous sélectionnons uniquement l'angle pour la modification. Et voilà, nous avons terminé de configurer notre interface web. Nous pouvons activer l'appareil maintenant. Oui. Sauvegarder ce que nous avons fait. Oui. Maintenant, nous pouvons copier l'adresse IP fournie dans la section Info et aller sur notre navigateur Internet habituel. Nous copions l'adresse IP et nous chargeons la page. Vous pouvez voir que l'interface web semble démarrer. Comme prévu, nous n'obtenons que des images en défaut. Maintenant, nous entrons dans le menu en cliquant sur l'image. Nous retrouvons les outils que nous avons configurés précédemment. Nous sélectionnons l'angle, angle du coin, et nous pouvons à présent modifier la valeur du seuil. Maintenant, notre valeur trouvée se trouve dans l'intervalle de tolérance. Le résultat est donc bon. Nous pouvons donc enregistrer ce changement. Ceci va modifier le programme initial, et les ajustements que nous venons de réaliser seront déjà opérationnels dans la machine. Vous avez donc complètement modifié le programme, et Verisense vous demande alors si vous voulez vraiment appliquer ces modifications à votre programme de façon permanente. Nous sélectionnons « Oui » pour valider l'enregistrement. Si nous retournons à la première page, vous pouvez voir qu'à présent, les images ne sont plus en défaut. Ceci était un tutoriel concernant l'interface web du Verisense. J'espère que vous l'avez apprécié et que cela vous a permis d'en savoir plus. Merci!